Merci tout le monde. Bienvenue, Primavera, Clément. Je vais vous présenter très rapidement. Primavera, vous êtes chercheuse juridique. Vous travaillez à CRS, à Harvard, sur les technologies décentralisées et plus spécifiquement la blockchain. Vous êtes la cofondateur de Black Coffee, qui est un système décentralisé sur la blockchain. Et Clément, vous êtes le fondateur de Cell Labs, qui est un écosystème, un facilitateur d'écosystème sur les technologies de la blockchain. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu plus de la blockchain. Nous voulons parler de sa gouvernance, de son organisation. Plus précisément, nous voulons comprendre l'impact de la blockchain sur les organisations et permettre cette nouvelle organisation dont nous entendons souvent parler, donc les organisations autonomes décentralisées, les OAD. Donc nous allons commencer avec une question très simple. Qu'est-ce une OAD? Qui aimerait commencer? C'est une question assez difficile, mais je pense que le meilleur moyen de l'expliquer est d'utiliser des exemples. Donc, tout le monde sait ce qu'est une blockchain et je suppose que tout le monde comprend le contrat intelligent. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc, un contrat intelligent n'est pas un contrat et ce n'est pas vraiment intelligent. C'est tout simplement un code sur la blockchain, pas sur un serveur centralisé, mais d'une manière décentralisée sur la blockchain. Cela fait que, comme les bitcoins, par exemple, tout le monde doit valider les transactions. Et quand vous mettez un logiciel sur la blockchain, il faut que tout le monde soit d'accord sur le code. Donc, il y a une garantie. Et une fois que le logiciel est déployé, le code ne peut pas être modifié. Donc, cela permet d'avoir une transparence sur le code qui est en place et sa responsabilité. Quand nous partons d'un contrat intelligent à une organisation autonome décentralisée, nous ajoutons simplement un élément, nous ajoutons un token, nous allons appeler ça un token. C'est une version plus sophistiquée d'un contrat intelligent qui nous donne un token qui peut être utilisé pour plusieurs choses. Par exemple, il peut être utilisé dans un système gouvernemental. Il peut être utilisé comme de l'équité ou une clé d'accès. Donc, cette clé, c'est une crypto-monnaie. Les bitcoins sont un bon exemple de OAD où cela crée cette clé pour que les personnes puissent contribuer aux transactions et les valider. Et cette clé peut être réutilisée ensuite pour pouvoir profiter des services de l'organisation pour, par exemple, envoyer des bitcoins sur le réseau Bitcoin. Parfois, il y a d'autres alternatives qui ont été créées. Par exemple, nous pouvons créer une plateforme pour les applications décentralisées, les contrats intelligents, qui font qu'il est très facile de déployer les applications décentralisées. C'est un système très similaire. Ethereum donne ces jetons aux organisations pour qu'ils puissent utiliser le logiciel sur Ethereum pour ensuite pouvoir tirer profit des services offerts par Ethereum. Donc, si j'aimerais expliquer ce que vous venez d'expliquer à ma mère, je dis simplement que c'est une organisation dans laquelle vous remplacez la gestion humaine par du code, avec, par exemple, les monnaies, les crypto-devises et les contrats intelligents. Clément, avez-vous quelque chose à ajouter en utilisant des exemples récents? Les personnes qui sont enthousiastes sur la blockchain entendent souvent parler des deux
l'AOAD. Vous avez peut-être entendu les investissements qui ont été référenciés hier, qui ont récolté 120 millions d'investissements sur Ethereum. Donc, c'est décentralisé sur un smartphone, mais est-ce plus que cela? Vous suivez les constructions de cette nouvelle technologie. Donc, allons. Passons à la question suivante. Les personnes à Slowkit qui font partie de la création de Slowkit, d'ailleurs, est composé de personnes qui ont fondé ou qui ont cofondé la blockchain Ethereum. Il y a presque deux ans, ils ont appliqué la blockchain au matériel appelé l'ordinateur Ethereum. Stéphane devait être ici d'ailleurs, mais il n'a pas pu venir à cause des activités récentes, mais nous voulons vous dire qu'il souhaitait être là pour partager ses idées sur le projet sur lequel il travaille, puisque c'est très pertinent. Quelle était la question d'ailleurs? Quelle est la OAD? C'est ce que Prima expliqué tout à l'heure, c'est une manière d'avoir une entreprise qui peut être gérée par elle-même sans utiliser des personnes, un agent humain. Les personnes peuvent venir à cette organisation et proposer un projet qui est pertinent à ce qu'ils essayent de faire et ensuite ils utilisent le jeton pour voter oui ou non à cette proposition. Nous n'allons pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Et ensuite, vous avez un comité de personnes pour ce mécanisme de la blockchain pour pousser le projet, pour aider ce projet, pour le développer et le faire passer à l'étape suivante pour que ce soit indépendant et fournir des services à des institutions pour essayer de construire ces ordinateurs Ethereum. Donc, Slowkit essaye de le faire, de mettre en place la blockchain. Ils veulent l'appliquer avec un verrouillage et il faut que ce soit verrouillé pour avoir des avantages que vous n'aurez pas avec les technologies, avec d'autres technologies. D'après ce que j'en ai compris, c'est un moyen de regrouper des ressources, des financières et non financières, des ressources de la communauté qui veut faire avancer des projets blockchain. Donc, c'est regrouper. Des commentaires, des feedbacks que j'ai entendus et que vous avez le côté financier qui n'est pas si différent d'un investissement traditionnel. Les personnes achètent des jetons comme dans une vente, donc au lieu d'acheter Kickstarter, vous achetez des jetons et vous votez selon le nombre de jetons que vous avez et ensuite vous aurez un retour. C'est exactement ça, mais encore une fois, la OAD vient de récolter 150 jetons ce mois-ci. C'est une entreprise qui a des propriétés d'investissement et qui font d'autres missions également, qui essayent de s'organiser sur la blockchain et avoir des mécanismes d'investissement, mais ce n'est pas un investissement en soi, mais c'est un projet d'investissement. Oui, de la même manière que plusieurs personnes qui sont ici investissent beaucoup de leur temps, de leurs ressources, de leurs idées et parfois de leurs compétences pour faire avancer des projets ensemble, de la même manière que quand vous voulez pousser et propulser un projet pour créer un service ou un produit, vous allez avoir un retour parce que vous êtes investi là-dedans. Alors, Prima, qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à ajouter? Je pense que la OAD est assez révolutionnaire de par son infrastructure dans le sens où c'est le premier cadre pour une organisation décentralisée. Pour le gouvernement et la gouvernance, c'est un peu comme le modèle
avec les acteurs, ceux qui ont investi des fonds dans une organisation et qui ont le droit donc de faire partie de la gouvernance. Il y a également les conservateurs qui sont des individus élus qui ont le pouvoir d'autoriser ou d'avoir un veto sur certains projets ou certaines transactions. Donc, cela reproduit un autre modèle sur une nouvelle infrastructure. C'est une étape formidable, c'est très intéressant. De la même manière que vous pouvez regarder ça avec les bitcoins, qui est très innovateur et qui a créé une technologie révolutionnaire qu'est la blockchain, mais le modèle bitcoin reproduit la devise traditionnelle. Mais cela a pu ouvrir les esprits à une nouvelle manière de réfléchir pour que les personnes puissent réaliser que potentiellement n'importe qui pourrait créer une devise et le coder et le programmer. Donc, de la même manière que la OAD ressemble à d'autres modèles, mais cela ouvre la voie également à d'autres organisations autonomes décentralisées qui peuvent innover au-delà et faire des expériences avec d'autres modèles de gouvernance qui n'auraient pas pu être conçus auparavant parce que nous n'avions pas les bonnes infrastructures décentralisées. Il fallait que ce soit plus collaboratif. Donc là, c'est un exemple et je pense que la chose intéressante à voir, c'est comment ces idées vont évoluer et comment nous allons voir d'autres modèles de OAD qui vont apparaître. Clément, qu'en pensez-vous de cette évolution de l'OAD? Vous me parliez, vous me disiez qu'il y avait des projets dessus. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme premier projet, comme projet initial? Pour répondre à ce que Prima disait, les bitcoins pourraient être considérés comme une OAD en elle-même parce que c'est un service qui fournit des services financiers à des personnes pour pouvoir partager de l'argent, mais qui n'appartient à personne. Personne n'est le propriétaire, il faut utiliser le mécanisme, mais c'est un modèle très intéressant de la même manière dont les personnes comme Jeff, Vitaly, qui utilisent la plateforme Ethereum et dans d'autres communautés et ont une nouvelle blockchain parce qu'il y avait des limites pour la blockchain actuelle. Vitaly a d'ailleurs écrit beaucoup sur la blockchain et les critères. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent, qui s'intéressent à cela, mais il faut que les projets continuent. Il y a beaucoup de travail en continu. L'OAD en elle-même ne signifie rien, mais c'est l'évolution en continu de Bitcoin, de Ethereum, de la blockchain. Donc, l'OAD actuelle, la version actuelle, est mal comprise parfois, mais surtout parce que c'est un projet très neuf et l'équipe travaille très bien sur l'éducation. Vous pouvez aller sur YouTube, par exemple. Il y a des questions-réponses dans les vidéos. Il y a 5 000 personnes qui écoutent et qui regardent les vidéos. Donc, je recommande de les regarder. Ce qui est important, c'est que le modèle actuel de l'OAD est d'ailleurs 150 millions et beaucoup d'argent pour vous et pour moi, mais ce n'est rien pour de l'innovation, pour de nouveaux projets. 1 milliard est dépensé tous les ans pour les nouvelles les expériences et les tests. Donc, c'est quelque chose à considérer quand vous regardez le marché de l'innovation. La deuxième chose, pour répondre à votre question, le modèle actuel n'est pas une OAD. L'OAD, c'est une organisation autonome décentralisée. Comme Prima a dit, c'est une structure de l'organisation qui permet de faire et de fournir de nouveaux services, mais ce ne peut pas tout faire. Tout ce que dit la presse n'est pas réalisable. Ils mettent en place de nouvelles fonctions, de nouvelles structures dans le code, et ensuite le code pourra évoluer tout seul, de manière indépendante, pour décider ce qui sera mis en place ou non. Donc, ce dont Prima disait hier, d'ailleurs, sur la biologie, vous avez des codes, des programmes qui deviennent de plus en plus complexes, qui ciblent une meilleure implication dans nos vies.
dans le système bancaire, par exemple, beaucoup des demandes que nous recevons sont déjà prises en compte. Donc la blockchain est intéressante. Mais elle est intéressante parce qu'elle va évoluer et d'autres technologies sont en train d'évoluer également. L'apprentissage des machines, une nouvelle manière de programmer. Et ensuite, plus en plus de personnes pourront s'y intéresser et participer à ces projets parce que vous aurez la compréhension et les moyens de le faire. Donc, c'est intéressant pour ces projets parce que c'est un coup d'état, ce n'est pas un coup d'État, c'est un projet de communauté où les personnes peuvent participer. C'est une technologie qui évolue, c'est une expérience, c'est un essai. L'OAD est un essai, c'est très important à répéter. Ensuite, nous allons voir ce qu'il en advient. Quelles sont les premières propositions que vous voyez sur l'OAD? Y avez-vous soumis des propositions? Pour moi, l'OAD a deux fonctions. Une pour regrouper des ressources qui peuvent être utilisées pour investir dans des projets qui ne peuvent pas se faire financer sinon. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de personnes et d'idées qui pourront être soumises pour essayer de se faire financer. Et ensuite, l'autre fonction de l'OAD, c'est de savoir comment faire évoluer et améliorer l'OAD en elle-même. Pour l'instant, moi, je pense qu'une des grandes limites de l'OAD est que, en fait, le but est de savoir comment investir dans des projets spécifiques. Mais pour l'instant, n'importe qui investit a une voix. C'est une approche orientée vers le marché. D'autres organisations n'opèrent pas de cette manière. Vous ne donnez pas la voix à l'investisseur pour décider la stratégie et comment l'organisation devrait évoluer. C'est une structure de gouvernance différente. Donc, une des limites avec ce modèle est qu'il faut vraiment concevoir une structure de gouvernance différente pour le modèle général de l'OAD quand les décisions ne sont pas prises par des personnes qui investissent dans l'organisation. Surtout en tant que fonds d'investissement décentralisé, c'est très difficile à faire. Vous pouvez dépendre de l'intelligence des participants, mais il faut vraiment coordonner cette intelligence et ces connaissances pour prendre des décisions stratégiques. Donc, vous fiez seulement au nombre de jetons créer des décisions difficiles sans une structure de gouvernance adéquate. Donc, une des premières propositions, je pense, devrait de créer une structure de gouvernance pour pouvoir distinguer des investissements monétaires qui peuvent fournir un retour et ensuite élaborer un modèle commercial décentralisé qui est basé sur ce que les personnes contribuent. Et ensuite, ce ne dépendra pas de l'argent investi, mais la valeur qui est estimée par l'organisation où tout le monde aura participé. Donc, ce que vous voulez faire, c'est ajouter une couche sociale à la blockchain et les OAD. Ce que nous voulons faire, c'est, puisque actuellement vous avez l'autonomie, l'indépendance, puisque les contributions sont monétaires, qui peuvent être évaluées très facilement par une machine, par un ordinateur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un jugement, vous n'avez pas besoin d'opinion, mais nous voulons une approche plus collaborative pour créer cette organisation collaborative décentralisée et autonome qui sera basée sur des valeurs humaines. Donc, la gouvernance et les prises de décision doivent être basées sur les valeurs qui sont alignées plutôt que sur les investissements économiques. C'est intéressant, mais je pense que c'est un défi également, parce que si vous regardez ce que nous avons aujourd'hui, toutes les personnes qui sont impliquées, les contributions, sont très faciles à mesurer, à quantifier, que ce soit Bitcoin ou le pouvoir d'ordinateur que vous avez pour le réseau. Pour l'OAD,
ce sont les fonds, le Ether que vous y envoyez pour récolter des fonds. Mais vous, vous parlez juste justement de passer de cette contribution à quelque chose de plus qualitatif, une valeur basée sur les humains. Donc, nous appelons sur la preuve de la valeur. Vous avez par exemple la preuve de mouvement qui évalue comment vous avez contribué et vos mouvements. Ce que nous voulons, c'est une preuve de valeur qui dépend du système de valeur des personnes, qui requiert donc un jugement subjectif. Clément, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Ou pas? Non, non, j'écoute. Peut-être j'insiste, mais il est très important d'avoir de comprendre que le concept évolue. La réalité va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Backfeed est en train de faire. C'est très important. L'autre chose qu'il faut considérer est qu'en mettant le jugement humain dans quelque chose qui est censé être mathématique et mécanique, c'est très étrange. Je ne pense pas que cela va arriver pendant très longtemps. Je pense que Stéphane Turrell vous dirait que l'OAD est une manière d'attendre de l'intelligence artificielle robuste. C'est quelque chose de très lointain encore, mais ce qui est intéressant, ce sont les modèles hybrides. Donc d'abord, l'OAD est sans utilité si elle ne s'applique pas à permettre à des personnes avec des idées pour pouvoir les développer et faire avancer des projets, mais pour que ces personnes puissent se connecter avec des personnes qui ont les bonnes compétences, les ressources et les outils pour faire avancer le projet. Deuxième chose, il ne faut pas rentrer dans une proposition qui ne sert à rien, qui détruira l'écosystème. Donc, il faut séparer entre ces deux. Il y a beaucoup de variables, de choses qui peuvent changer, qu'il faut évaluer. Et ensuite, vous avez peut-être des modèles qui seront intéressants concernant le mécanisme de Amazon Torque. Christophe dirait qu'il y a quelqu'un au Japon qui propose un paiement en jetons pour le nombre d'heures qu'il fournit en travail. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez utiliser l'ancienne manière de faire. Donc, je suis payé pour le nombre d'heures que j'ai travaillé en crypto-monnaie et avec les contrats intelligents, vous avez accès à ces moyens. La blockchain est intéressante, mais quand vous regardez la blockchain toute seule en elle-même, ce n'est pas très intéressant. Il y a des projets intéressants, mais pour la blockchain, nous n'y sommes pas encore. Ce qui est intéressant et ce qui est important, ce n'est pas seulement l'aspect de sécurité. Et ce qui est important, c'est l'autonomie et l'indépendance de l'information. Je sais que beaucoup de personnes dans l'économie collaborative veulent travailler sur des systèmes d'identification d'informations et de données pour que les personnes puissent passer de serveurs à d'autres. Et je pense que nous pourrions expérimenter là-dessus et permettre à ce genre de projet d'avoir un financement. C'est un projet d'ailleurs très important en termes d'investissement. Beaucoup d'argent est dépensé dans des manières très mauvaises de gérer les projets qui reprennent à zéro. Donc pour l'économie collaborative, c'est très intéressant parce qu'ils essayent de pousser les frontières. Nous ne savons pas vraiment où nous allons. Il y a des risques, bien sûr. Les résultats potentiels seront donc formidables. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question que beaucoup de personnes, je pense, se posent, qui est, si je veux que ce soit très simple, quelle est l'appli, l'application, la meilleure application de l'OAD? Pour une petite entreprise, une petite organisation, où il y a déjà de la confiance et les personnes travaillent bien ensemble, ça n'ajoute pas beaucoup de valeur
pour avoir un mécanisme de coordination sur la blockchain. Nous parlons justement de l'expérience de WeShare. Donc, est-ce les buts de l'OAD de pouvoir faire évoluer la coordination entre un large groupe de personnes? Est-ce que cela peut fonctionner avec des activités plus physiques comme la fabrication, le transport, etc.? Comment est-ce que vous voyez les applications disponibles? Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement du secteur, mais de la typologie. Je dirais qu'il s'agit surtout des organisations où vous avez une mission et vous avez un nombre de personnes qui peuvent contribuer quand ils veulent, de manière ouverte. Vous n'avez pas une méritocratie, mais vous n'avez pas une structure formalisée parce que vous voulez que les personnes soient incitées à venir contribuer, et les contributions pourront donc mener à une récompense, que ce soit des jetons, de l'influence, etc. Donc il ne s'agit pas d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle structure organisationnelle qui peut s'appliquer à n'importe quel secteur. Clément, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne pense pas qu'il y ait d'application qui soit meilleure pour ces technologies. Et c'est le cas avec la plupart des technologies. C'est une combinaison de plusieurs technologies qui les rend utiles. Donc pour la blockchain en elle-même, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur beaucoup de propositions différentes. Et je pense que l'OAD, enfin j'espère, j'espère que les résultats, enfin les meilleurs résultats de l'OAD ne sera pas la concurrence entre les projets, mais plutôt de créer un réseau entre les projets différents pour qu'il n'y ait pas à recommencer de zéro plusieurs fois. Mais vous avez des projets très intéressants, par exemple Thomas qui travaille sur la robotique, qui est une des propositions qui sont pertinentes à la blockchain. Ils construisent leur propre véhicule. Et je vous encourage à aller le voir. Nous avons des personnes comme Creole qui travaillent sur la blockchain pour l'énergie. Nous avons beaucoup de personnes qui essayent de pousser la blockchain en dehors des applications financières pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant comme la biologie, l'espace, l'éducation. Il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont intéressants. Donc, pour revenir à votre question initiale, la blockchain est intéressante. Si vous la regardez toute seule, ce n'est pas très intéressant au moment. Pour la gouvernance, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore du chemin à parcourir. Donc, comment se concentrer sur un seul projet, un seul groupe de personnes pour produire quelque chose? Et ensuite, vous avez cette éducation et le soutien pour que l'OAD puisse faire quelque chose qui a du sens et pour ne pas qu'ils soient en compétition les uns avec les autres. Il faut que les personnes puissent aller en ligne et en discuter, donc que ne ce soit pas une compétition, mais un réseau de projets. Dernière petite question. Je vais commencer par vous, Primavera. Vous êtes chercheuse juridique, oui, donc vous connaissez en droit. Si l'OAD fait quelque chose, fait une faute, qui est-ce que... Qui est-ce que je porterai en justice? Nous avons fait des recherches là-dessus, justement. Nous essayons de comprendre que serait le statut légal d'une OAD. C'est assez compliqué, en fait, parce que c'est une organisation qui n'existe pas, qui n'est pas reconnue. Mais de l'autre côté, la loi est alignée sur la notion, sur cette notion. Donc, c'est assez dangereux d'être membre d'une OAD quand l'OAD n'a pas d'entité légale, puisque vous avez le concept de partenariat général qui n'existe pas. Donc, potentiellement, c'est une hypothèse, bien sûr. Nous n'avons pas testé. Mais c'est possible que tout le monde qui ait participé dans l'OAD se trouve dans un partenariat général et qui soit donc responsable de ce que l'OAD a fait. Donc les membres pourraient être responsables
si ce n'est pas une entreprise. Vous devez donner un statut légal à l'OAD, mais ensuite, l'OAD ne sera plus une OAD, justement. Je pense que nous devons nous arrêter. Avez-vous quelque chose à ajouter? Si quelqu'un a quelque chose à ajouter? Si quelqu'un est intéressé dans l'OAD, comment ils peuvent faire? Donc, encore une fois, l'éducation est la meilleure manière de comprendre ces projets et de filtrer toutes les informations que vous allez recevoir de la presse. Donc, il faut aller sur dao.up. Il y aura le forum où vous avez beaucoup de discussions. Il y a un millier de personnes qui travaillent et qui proposent de nouvelles idées pour l'OAD. Si vous voulez vous familiariser avec ce processus, il faudra aller sur Ethereum pour pouvoir télécharger le serveur sur votre ordinateur. Ensuite, vous pourrez vous intéresser à Ether. Donc, ce n'est pas très sain. Je pense que pour Ether, vous allez pouvoir jouer avec la technologie, vous allez pouvoir télécharger l'application, regarder toutes les documentations qui sont disponibles et vous décider vous-même si vous ne l'aimez pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Il faut seulement 10 heures pour télécharger la blockchain Ethereum où se trouvent les bitcoins. Merci beaucoup. Et on se verra sur la terrasse pour les questions-réponses si vous voulez continuer la session avec Primavera et Clément. Merci beaucoup.